maintenant, les gens achètent les produits en fonction de la pub. Plus une pub est conne, plus les gens achètent le produit. Surtout les femmes. Attendez. Non, mais je vous explique. Tu es à la maison, tu regardes la télé avec ta femme, elle va te saouler. Bébé, bébé, tu as vu cette pub? Elle est conne. Il y a des gens qui achètent ce produit, le lendemain, tu amènes le produit à la maison. Voilà. Non, j'aime pas les pubs. Tu as la pub à Frélou. Il est fou à Frélou, il est fou à Frélou. S'il est fou, va le soigner. Vu? J'avais pas vu. Tu as pas vu? Ouvre les yeux, je bois d'ici, moi. Petit écolier, ce n'est que pour les enfants. Si c'est pour les enfants, pourquoi toi tu manges, toi? C'est n'importe quoi le pub. Et il y a un qui m'énerve quand j'allume ma télé, il vient toujours. Il vient te parler, il t'agresse. Je l'aurai un jour, je l'aurai un jour. Je dis, mais pourquoi tu me dis à moi? Dis-lui. Il va te gifler, dis-lui, ne parle pas, ne parle pas. J'éteins la télé, il me frappe. Je vais boire un coup. L'eau des blancs d'où, hein? De l'eau. J'ai été le premier noir à faire la pub de l'eau sur TF1. Vous avez vu ça? Premier noir à faire la pub. Je vais arriver comme ça. Toute la France regarde comme ça. Il regarde en même temps, il écoute. Qu'est-ce qu'il va raconter? Hé, hey, de l'eau, quand c'est doux, hein? Toute la France partait. La même en Bretagne, elle allume sa télé, voit sa crise cardiaque, elle retombe encore. Elle se lève, on n'est plus chez nous. Quel choc culturel. Ah, j'ai perdu mon accent, j'ai dit choc culturel. L'eau m'a rendu intelligent. Choc culturel. Attends, attends, je vais essayer encore. Évidemment, bien sûr. Yeah! L'eau des blancs, la magique, hein?